Ce qu'il raconte sur Hanouna, il a tout dit. Sous-côté la responsabilité qu'il a sur l'impact de la bêtise des gens. Pour moi, TPMP, c'est regarder des gens plus bêtes que moi, commenter des programmes télé que j'ai eu l'intelligence de ne pas regarder. Voilà, c'est comme ça que je définis TPMP. Je pourrais en pleurer que ce soit devenu quasiment une zone de référence des débats en France. Je trouve ça malveillant comme émission, je trouve ça méchant. Genre la soumission des chroniqueurs à Hanouna, je trouve que personne la relève et elle fait flipper. Il y a un truc qui est sous-côté, c'est l'impact de Cyril Hanouna et de cette émission sur l'extrême droite. C'est-à-dire qu'un mec comme Jean Messia, c'est une figure construite totalement par Cyril Hanouna. La manière dont on débat au même niveau, c'était pas comme ça en France avant. Avant, les fachos, les gens d'extrême droite, c'était tout le monde les regardait avec mépris parce qu'intellectuellement, il n'y a rien qui tient dans ce qu'ils racontent. Et là, tout est mis au même niveau, tout est normalisé. Non, non, c'est la cat, je trouve que c'est la catastrophe à tout point de vue. Bah, il a tout dit, puis il a totalement raison. Vous savez que j'en parlais avec un ami, ça, il y a longtemps, de la débilité que Cyril Hanouna a amené dans notre société, notamment à la télévision. Et puis surtout, du nombre de gens qui regardent ça en prenant tout ce que raconte TPMP pour argent comptant, en mode les mecs surfent sur le buzz en permanence. Vous saviez, TPMP à la base, ça commandait des émissions débiles, sauf que c'est devenu de la politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a la politique de notre pays qui se passe sur TPMP, les gars. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie du niveau de notre société aujourd'hui. Donc quand vous voyez le niveau de nos politiques aujourd'hui, bah dites-vous que ces gens-là, ils font leur promo sur TPMP. Tout est merdique en France. La politique, c'est de la merde. Nos médias, c'est de la merde. Et donc, nos politiques et les médias se rejoignent. C'est n'importe quoi. En fait, Cyril Hanouna a complètement infantilisé notre société. Elle l'a rendue complètement débile. Et maintenant, tout le monde trouve ça normal.